Bonjour. Pour ceux qui me connaissent, toute ma famille elle sait bien que je ne sais pas faire la cuisine. Je suis très triste parce que ma femme est partie en voyage et je me suis retrouvé à la maison tout seul pour le boulot. Ils savent très bien que je ne fais pas la cuisine. Et je me suis dit peut-être qu'on va faire un peu de cuisine. Merde, j'ai oublié les carottes. Je vais me lancer un petit défi et on va voir ce que ça va donner. Oh là là là, oh là là, oh là là. Je vais essayer de me faire un petit hachis parmentier. Et bien français. Moi je mets le sel et le poivre dans le frigidaire aussi. Je vais voir si pour moi je perds ça et on va voir ce que ça va donner. Mais la carotte, elle est un peu glacée. Avec sur une petite chanson du style Little Bitches. J'ai pas de carottes, j'ai pas de carottes, j'ai pas de carottes. Ah, les carottes, des petites bonnes carottes. Oula, elles sont. Oula, elles sont un peu. Oula, c'est un peu du solide tout ça là. I shouldn't have said all that. I'm not like wearing any underwear, so you know. Can I have another shot? Hey, before we get out of here, can you just do me one favor? Bitches. Après un long moment, j'ai réussi à faire mon hachis parmentier, mon premier hachis parmentier. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai eu des problèmes avec la purée, entre les doses de lait et puis les doses de beurre. Et puis les patates, ça n'a pas été facile. Ça sent bon. J'ai vu que j'ai mis trop de lait et trop de beurre. Oh là là là, oh là là, oh là là. Mais bon, à la fin, j'ai réussi à je pense, à trouver la bonne dose. Je dois quand même avouer que faire la cuisine et danser en même temps, c'est fatigant et j'ai transpiré. Hein. Donc autant dire que je viens de prendre une douche. Voilà, donc là je pense que le temps est passé, on va regarder ce que ça va donner. Un petit hachis parmentier. Donc il y a pas mal de leçons que j'ai quand même appris. Hein. La première, c'est qu'il faut pas danser et cuisiner en même temps parce que ça fatigue plutôt pas mal. La deuxième leçon, c'est qu'il faut bien connaître les doses au niveau de la pomme de terre
du lait et du beurre. J'ai mis trop de lait, j'ai mis trop de beurre, j'ai pas assez mis de pommes de terre. Et puis un petit coup, la tremblée de son, c'est un petit coup de persil, là, comme ça, là, sur le taux, là, ça fait bien. C'est chaud, mais ça donne plutôt pas mal. On sent bien le lait, peut-être qu'il est produit, comme je l'ai dit. Hein. Pommes de terre, pas mal du tout aussi. Donc voilà, c'était pas mal, j'espère que ça vous a plu. Ciao!